Bienvenue à vous sur la chaîne Master Kenny le Ski. Je suis Master. Ouh, et lui c'est Kenny le Ski. Alors il a des petits bandages sur les coudes. Ne vous inquiétez pas, il a rien de grave, je vais vous expliquer. Kenny n'est pas blessé, vous inquiétez pas, il s'est pas niqué le coude, il s'est pas devant bien. C'est juste que ce con a pris la mauvaise habitude de quand il s'allonge par terre, de se râper contre le sol. Ce qui fait qu'il s'arrache les poils ici. Du coup on lui met les bandages le temps que les poils repoussent, que tout se batte bien pour éviter que voilà, il ait pas de problème. Parce que même s'il a une tête d'imbécile heureux, regarde-moi ça. Oh oh, il regarde trop bien la caméra. Wouah! Salut à tous ses amis! Oh putain, il aurait pu faire plus vite, je vois. Failli m'étouffer, moi. Donc voilà, il a juste des bandages, ne vous inquiétez pas, vous risquez de revoir souvent Kenny avec des bandages, mais il est bien. Parce que ce soit sur la faille de cheval, tout pinachat, tout Kenny le ski, dès qu'il se passe, dès qu'il y a un truc qui paraît un peu bizarre, les gens sont en panique. Il va bien. Ne prononce aucun mot français si tout va bien. Voyez. On se retrouve aujourd'hui pour la Wolfbox du mois de août 2018. C'est pas Animal Box qui nous a envoyé ça comme ça, hein. C'est ma soeur qui a dessiné un peu partout. Mais tu sais que j'ai même pas regardé ce que t'as écrit. Enfin, t'as juste colorié, t'as écrit des conneries, non? Master Kenilowski, miaou. Waf. Ah, Waf, le chien. Je crois que il fallait écrire ouf. Mais t'es bête. C'était chelou, hein. Donc la Wolfbox sert pour les chiens, mais aussi pour vos petites soeurs quand elles se font chier. Allez, c'est parti, on va ouvrir la box. Alors, je vous rappelle évidemment que vous avez un code de réduction de 5€ sur votre première box. Le code, c'est Master Kenilowski, tout en minuscule. Le code c'est Master Kenny le Ski, tout en minuscule évidemment, hein. Et il y a un lien dans la description pour aller sur le site Wolfbox. Alors ça, le code marche avec les Meowbox et les Wolfbox. T'as une tête d'imbécile de retour en ce moment, hein. Sale chien. Je vous rappelle le concept de la Wolfbox, évidemment c'est 40€ d'objets pour chien. Ça peut aller de l'hygiène du chien aux friandises, aux jouets. C'est la première fois qu'il est autant vidéogénique, je crois. Il est calme et tout. Maman d'alors elle avait comparé Kenny à Zidane à cause des bandages. La Zidane, putain mais qu'est-ce qu'elle est chou cette mère. On va passer à l'ouverture de la box et vous savez qu'on fait comme aujourd'hui une ouverture classique. Parce que ces derniers mois on a pas fait enfin on a fait pas mal d'ouvertures un peu qui sortaient de l'ordinaire. Là on va faire un unboxing classique. À la fin on va laisser Kenny choisir son objet préféré, pardon. Les derniers mois ça a été assez complexe de lui laisser choisir un objet. Parce que soit il aimait des trucs n'importe comment, genre des contre-tiges ou des magazines, qui est chelou pour un chien, hein. Soit il choisissait absolument rien. Ah si, c'est bien. Voilà, comme ça on voit ta belle petite tête. Bon, le traditionnel Wolf Mag, hein. Oh la vache. Eh, il est bien blindé ce mois-ci. J'ai l'impression qu'ils ont changé la texture du papier. C'est un truc, on s'en fout, qu'est-ce que je... Bon, Animal Box, c'est bien de mettre des skis, hein. Mais lui, là, quand est-ce que vous le foutez dans le Wolf Mag? Regardez, il adore votre magazine, en plus. L'apprentissage de la propreté chez le chiot. Les insectes, une véritable source des protéines. Ouais, mais ça, on le savait déjà. Oh, t'es-moi, le chien avec la carotte. C'est génial. Un vrai flow. Voyons voir ce qu'il y a dans la box. Alors, t'avais raison, pineapple. M.O.P. M.O.P. Oh, j'avais pas vu. Quoi? T'avais pas vu le visage? On a un ananas. Qui ressemble à Kenny. Qui ressemble à Kenny. Avec marqué M.O.P. C'est genre quoi M.O.P. Là c'est un truc qui est rare, c'est que c'est un objet qui a été fait par Animal Box. C'est eux qui font les box, les Meow Box, les Wolf Box. Ce jouet n'est pas indestructible, pensez à surveiller votre animal lorsqu'il le joue. Mais en fait il y a un truc hyper dur à l'intérieur, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça fait pas pouic pouic. Ah, peut-être qu'il pourrait éviter qu'il le déchire. Can I touch? Mais il y a des sortes de... touche. Can I touch? Il parle français aussi frère, t'as cru que c'était Master and Kenny the Husky. Tu vois, il y a des bâtons à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Et ça veut dire quoi M.O.P. T'as qu'à inventer un truc, je sais pas. Master rompu, je sais pas. Ouais, d'habitude, je suis hyper bon pour les jeux de mots à la con, mais là, j'ai aucune idée. Oh, allez, Kenny, toi qui aimes les fruits. Ça t'a vu la rime? Ouais, c'est chelou. Tiens, mort. Oh, putain, mais pourquoi à chaque fois tu comprends pas comment marchent les jouets? Oh, mort. Les veines. Allez, toi, t'aimes pas? Ils s'en éloignent même. Ah, ouais, mais sans les veines, t'as peur? Tiens, mort. Mais joue. Regarde. Bah, allez. Voilà, tiens, presque. Vas-y. Mais c'en est loin en plus. Donne la patte. Voilà, c'est bien. Mort. Ah, il l'a pris. Ouais, c'est un bâtard, il l'a pris, il l'a relâché. Je dis ah, et c'est encore plus en relâché. Bon bah Kenny, même s'il n'aime pas ce jouet, c'est dommage parce qu'il a l'air vachement débat. Mais il s'en éloigne, je sais pas pourquoi il s'en éloigne là. Je suis l'ananas sourcier. Ce qui est bien avec ce type de jouet, c'est que c'est du tissu, donc ça absorbe la bave du chien. Donc quand tu le prends, c'est t'as pas besoin de faire... C'est quoi ce bordel? Une baguette magique? C'est une friandise ça. Mais elle est chelou la friandise en fait. C'est marrant. Renifle pas. Bon, c'est une friandise en gros. Mais c'est une friandise. Pourquoi j'ai une friandise en bâton aussi long? Après c'est un simple bâton quoi. Genre en mode... Voilà. Il rote jamais. Il pète quasiment jamais aussi. Mais alors, à chaque fois qu'on fait une move box, avant même qu'il bouffe. C'est quoi ce... On imite pas Kenny Lewski, nous. Allez, on va là-bas, toi. Tu es un sorcier, Kenny. Mort. C'est bien, parce que ça laisse la distance du chien, donc tu salis pas les doigts. Par contre, il est hyper dur.
C'est-à-dire que là, il est un peu flexible, mais il est un peu dur. C'est une friandise à mastiquer. Vous savez, le genre de friandise à mastiquer, mais je sais pas si ça, c'est genre comme tous les autres trucs à mastiquer, genre ça lave les dents un peu. Ah, il a aussi arraché un morceau, c'est pas si solide que ça. Il est fort, Kenny, hein. Oh, t'as vu l'énergie qu'il a mis là? Il allait se transformer en super husky, hein. Non, ouais, je vais pas te tout donner. Arrête de faire la chouin. Franchement, il y a des chiens où on voit comment ils sont heureux. Bah alors lui, c'est incroyable. Tu es heureux, tu es heureux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la box? C'est moi ou c'est une branche d'arbre? Attendez. On vient de recevoir une branche d'arbre. La marque Roqueto. C'est-à-dire que les mecs qui sont allés dans la forêt avec leur chien, ils disent: tiens, si je coupais un arbre et que je mettais un élastique et un carton dessus pour dire que c'est une marque, une branche qui était un peu polie. Jouer pour chien durable et naturel. Ah bah ça, une branche, je te jure, ça peut être que naturel et durable. Eh franchement, ils ont réussi à customiser une branche d'arbre. Franchement, ils sont très très forts. Hein. Bon, au moins il y a un élastique dessus. On a gagné un élastique. T'imagines les parents qui vont quand ils vont dire: ouais, il y a eu quoi le chien dans la box? Ouais, il y a une branche d'arbre. Bon là, c'est vraiment une baguette en bois. Vas-y, mort. Je pense qu'il va pas kiffer. Quoi? T'es sérieux là? Moi j'ai vraiment cru au début que c'était une patate douce et je me suis dit: mais ils se foutent de notre gueule à mettre des pommes de terre dans les pains dans les woofbox. Putain, il le mâche vraiment en plus. Mais en plus, vu que c'est super solide, ça va durer hyper longtemps. Jamais il le détruit ce truc. D'ailleurs, j'adore dire du bien des trucs qu'on a parce que ça fait plaisir. Mais là, vous foutez pas de notre gueule, c'est un morceau de bois quoi. Va aller le chercher, tu crois, si tu le lances? Ouais, alors si je le lance, on explose le parquet. C'est une serviette. Comme ça, Kenny, qu'on le lave, il va arrêter de gratter mes serviettes, hein, parce que à chaque fois, c'est mes serviettes qui se retrouvent à laver, Kenny. Nos serviettes, en plus. Il y a un chien dessus, j'imagine. C'est une serviette Woofbox. C'est une serviette de bain. Bon, je sais pas si vous le verrez très bien, mais il y a un chien qui prend son bras dessiné dessus. C'est jaune, ça? Orange jaune, on est d'accord, hein. Parce que là, mes pouvoirs de daltonien me disent que ça va pas bien, là. Bon, on va pas te faire prendre un bain tout de suite, parce que ça sert à rien. Mais vas-y, on va tester sur lui. Ah si. Eh, je peux le faire bien avec n'importe quel objet, c'est incroyable. Oh, il est vif. Il est vif, Ski. Attends, je te le remets bien, la serviette, voilà. T'as un chien customisé, maintenant. On va voir combien de temps il va tenir avec la serviette sur lui. Est-ce qu'il va s'en foutre ou est-ce qu'il va essayer de l'enlever? On dirait pas Lafayette quand on le chevauche, genre c'est une selle. Il a vraiment mais la pire des dégaines. Malheureusement, cette serviette, elle est un peu petite. Elle est carrément trop petite pour Kenny, en fait. Ah, tu t'assois? Comment il est le tissu? Le tissu il est hyper doux, c'est ce que j'allais parler de ça, c'est hyper doux. Training mix, veggie snacks, des friandises végétariennes avec une forme méga chelou. C'est Koh-Lanta ou quoi le truc là? C'est vraiment une forme bizarre quand même, attends je vais les sortir. Il y a plusieurs couleurs dans le packaging, enfin dans les friandises. Et putain, elles sont hyper bien taillées, hein. Par contre ça pue, c'est grand mort. Wow. Un joueur de basket qui saute et qui fait ça, tu sais, pour mettre la balle dans le panier. Ouais. Va falloir répondre au bout d'un moment. Hop. Oui, c'est bien. Alors c'est vraiment, ça a l'air, les friandises sont hyper bien taillées, elles ont l'air plutôt solides, je sais pas s'il va les bouffer très très vite. Ah ah, oui c'est vraiment super solide en fait, tu vas galérer le ski. Les friandises sont assez solides parce que d'habitude quand on reçoit des friandises, elles sont plutôt molles, et ce qui fait que Kenny quand on lui donne, bon, en 2 secondes c'est fini. Là ça fait genre une quinzaine de secondes, ça résiste plutôt bien. Je dis ça, il a fini. C'est bien, c'était bon? Donne la patte Kenny si c'était bon. Oui, oh t'as vu le toucher majestueux, elle te met pas pour la caméra comme ça, tu vois que je te défonce? Je te défonce, on se tape ou pas? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu reprends des poils blancs toi, ça fait plaisir un peu. Non parce que t'étais un peu sombre. On ne voyait plus dans la nuit frérot. C'est la première fois qu'on voit ce genre de friandises, c'est à base de pommes, de betteraves et de carottes. Il y a des protéines, il y a du gingembre, c'est sans céréales, sans additifs chimiques, hypoallergénique, écologie. Ah putain, recette française. La France a du talent. C'est quoi la marque Antoma? Bah bravo Antoma parce que c'est vraiment une super bonne initiative. C'est petit, c'est grand mort là. Hop là, attrape. Oui, oh là là. Ah, on va faire une vidéo, les meilleurs full shots entre un chien et son maître. Déjà? Ah ouais, c'est petit, mais il a quand même gobé ça très très vite, hein. Assis. Couché. Debout. Debout, Kenny. Voilà, c'est bien. Allez, hop. C'est bien, mon chien. C'est un beau chien, ça. C'est bon, hein. Non, c'est bon, les friandises. Ok, c'est la fin de cet unboxing. Vous savez ce qui se passe à la fin de chaque unboxing ou box qu'on fait avec Kenny le Noski. Je vais laisser Kenny choisir son objet préféré de la box. Est-ce que Kenny Loski a atteint un stade où il est tellement pourri gâté qu'on peut plus le gâter? Donne la patte si t'es gâté. Ouh, il est gâté. Oh, la patte douce. Tu mets quoi comme crème? Putain, mais arrête de tuer ça la caquette, bordel de merde, j'en peux plus. Eh, j'en peux plus de lui. Ouais, Kenny, choisis. Attention. Ah bah voilà, là il commence à faire son choix.
Lequel va-t-il choisir? Oh putain, on dirait une concesse qui fait les soldes. Putain, mais choisis au bout d'un moment là. Bon, t'es chiant. Tu es chiant. Bon, du coup, on a dû enlever ce micro là. C'est pas un chat, calme-toi. On a dû enlever ce micro parce qu'il a plus de pile. Flemme de changer, hein. On fera ça pour l'autre vidéo. Bon, écoutez les potes, il y a tous les objets ici. Kenny n'en a choisi aucun. Après, c'est parce que Kenny est relativement bien dressé. On évite qu'il fasse tout ce qu'il veut et genre qu'il nous pète à tout ce qui va lui en fait. Allez, assis. Oui, c'est bien. Approche-moi si tu veux. Oh, oh, regarde, il fait quoi? Il a mis sa patte. T'as vu, il fait tout comme moi, c'est incroyable. Oh, c'est génial, il fait tout comme moi. Bon, écoutez, les amis, j'espère que cet unboxing Woofbox vous aura plu. N'oubliez pas qu'il y a le code promo, tout ça, le lien du site dans la description pour avoir votre propre Woofbox. En tout cas, voilà, c'était cool. Le pire, c'est du jeu avec Kenny qui est plutôt calme aujourd'hui. Hein. Ça fait plaisir de le voir comme ça, être calme. Parce que d'habitude, quand je suis assis à côté de lui, il essaie de me faire des choses pas nettes. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux qui s'affichent au-dessus de la tête de Kenny et les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je vous sors une nouvelle vidéo. En tout cas les amis, voilà, c'était super cool de faire cette vidéo et nous on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. À la prochaine fois, on se fait plaisir. If you let me, ooh, ooh, ooh. So we wait for things to change.